de vous retrouver, amis téléspectateurs. Vous êtes dans 12-14 et en direct depuis la Sodida. Sodida fait Excaf Télécomnec et donc RDV Sénégal. Nous comptons l'ol diakar l'okien sa sou midi jote diap 14h lundi ou jeudi. Nous andakien rek et d'ilen d'yor l'inga khamitin moumou gimti yun batak nadal taï de nous dougouti actualité ak pa son sec d'alidem tu focus hip hop. On aura aussi société développement mais aussi info web ak ñaxalé la belle multi plateau bi lolou nak ci première partie 12-14 la deuxième partie bi dinañ am lombe actu lombe ak grand Ousmane mo na ci and nak ak invité ndax ti ki nga xamantene mom moy première reporter ci walu lutte di Fatim de Bar Diop mom moy invité grand Ousmane ci deuxième partie bi lay doon dañuy dal di nuyonté ñi nga xamantene ñom la nar bo katé plateau bi passé mag leen nuyu bismillahir rahmanir rahim asyatu malik job asyatu job malik ñu neumal ba baaxa baax ñu équipe technique bi ñu madame Diouf ñaxale ñu pako ñu hadji ak ñu ci régie bi kilifa yoy nga xamanteni kilifa yu mag ñu nek ci régie bi ay nit yu baax yu yiw yo xamanteni mérite ñu lepp dañu mérite lepp il faut ñu fonk leen yek leen te ñu dañ leen respecter donc le respect c'est capital ñu leen ñu bu baax di wax ñi ñi sétane ñu leen di ñu di jéggalu nak ci lepp luy mat ak lu matul di wax yalla na yalla saxal jamm sénégal amin papa no def yow sante bu baax assietu ma lay nuyu di la ziar di ziar di nuyu ñaxalé di nuyu téléspectateurs yi nga xamanteni ñi bayyi xel bu baax baax fi ci 12-14 donc mercredi comme ñu koy défé rek indi leen seen focus hip hop waxtane lepp li nga xamanteni dañ ko soxla ci hip hop bi tay ñu war fi dal suñu benn gan xamna ci kanam tuti dina ñew inshallah dari dugg rek ci force faiblesse ak perspective ci walu hip hop label ñaxale no def yow ma ngi ni rek la mère assiette ça va li konta di leen trouver ci fa wa yo mu ma donné le sourire yu bu baax di nuyu pa assan di nuyu pa ko di nuyu suñu mbokk téléspectateurs ñi sétane di leen waxati rek ñu wotina ci info web indi leen li gëna fess ci internet bi rañu waxtane ko wa wo dal ci dugg bu baax baax mu dal di neex en attendant yi dal di enchaîner ci biir actualité bi passane li nga xamanteni mom la ñuy jëk dugg di ci jëk waxtaan mom moy directoire bi nga xamanteni directeur de campagne bi nga xamanteni Macky Sall daan nakoy installer demb Aissata Tall Sall nek la grande vedette ak li nga xamanteni mom mo fa xew d'abord quelle remarque ngay def ci installation bobu ak ñi nga xamanteni ñom ñoo tontu ci invitation bi on a suivi en diagonale li xew fofu je pense que buñu jup ay élection période biñu toll ni yoon la ño xamanteni ño ci ay acteurs ñu centre len ci yek len ci war len ci xol pour apprécier len xol comment on fait mën len appréhender juger len mën len peut-être pas juger mais mën xam ban choix lañu porter ci ñom ou pas le candidat maintenant il s'agit plus du président de la république il va faire son dernier conseil des ministres aujourd'hui oui donc le dernier conseil des ministres de son mandat. Oui. Peut-être qu'il en aura d'autres ou pas, il y a le rek xam. Alors, ce qui se passe ou ce qui s'est passé hier, moy que kilifa yi bok ci mouvance bobu yep présidentiel bi ñu ko fon. Gis nañu président bi mu tok, Moustapha Niass tok ci wétam, gis nañu Aminata Tall, seen nañu Aissata Tall Sall qui était on va dire la vedette entre guillemets de la circonstance la vedette par rapport à eux la vedette aussi au niveau externe donc ci ñi ko doon xol parce que ñepp dañ ko doon xol am nañ benn beut buñ ko doon xolé di tok di ko nek gis nañu Ousmane Tanor Dieng à côté on a vu alors suma xolé le décor parce que image da fay wax je vois le président le candidat de Benno Bokk Yaakaar monsieur Sall Macky avec son accoutrement à la sénégalaise mom ak ñu ko wër ñëpp loolu ça compte ils sont habillés en sénégalais mais dama am ci jàngat ci gis gis bi mom mi am impression que ñi toog ñëpp candidat bi moo leen mag ci gis gis ñi toog ñëpp ñoo mag candidat bi ñi ko wër ak ñi ci wetam ak ñëpp ma gis ko nag moom mu mel ni ku leen mag cela veut dire énormément de choses mooy que le candidat bi nga xamante ni dafa judd après les indépendances dans l'image a paru être né avant les indépendances et ça c'est un problème énorme lolu moy li réalité bi ñuy dund moy que dans la description je dirais pas fataliste ou fatal mais dans la description de ce qu'on a vécu sur ces 7 ans là
de façon imagée, moi j'ai eu personnellement, moi Baye Hassan, l'impression d'avoir été ou d'avoir vu ou aperçu Moussa Traoré du Mali. Moi, c'est ce gestionnaire-là qui fonctionne à la française, même si dans l'habillement c'est le malien. Voilà, l'impression Bobo là. Après, si, ça peut être subjectif pour nous en de camp Bobo, comme ça peut être objectif pour Nyalan. Après, je me dis, le président, toujours, j'ai vu des visages crispés. C'est mon avis encore. Les amis de Appel qui nous regardent, nous concédons nous correct. Hein, on peut vous concéder votre appartenance. Moi, que. On a vu. Parce que l'image de fait est grave. Des gens qui sont crispés, mais qui sont là à dire ok, on y va, on fonce. Il y a eu des signes. Des signes, encore une fois de plus, j'ai parlé des chevaux qui sont tombés, je parle de signes. Il y a le Hamlehausuba. Mais encore une fois de plus, comment se fait-il que vous êtes en directoire de campagne, vous vous lancez pour, on va dire, le prétoire tendant à demander des voix. Mais. Le discours ne doit pas être à soi-disant dans le sens de la dénonciation de ce qui s'était passé. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir été là sur 7 ans et nous donner l'impression que vous venez d'arriver, il faut parler de ce qui a été là. Ce qui a été là, donc le président ou le candidat de Benno Bokk Yaakaar qui revient sur l'électricité qu'on a vécu en 2011, et bu ñu ci duggé xam nañ la ko soson la ko lolon ben nit mo bloqué le secteur pétrolier. Secteur de bloquer ou incident si d'un courant. Courant n'est ni révolté. On l'a vécu, on le sait. Après, aujourd'hui, le problème a été résolu. Quand bien même, on se souviendra de plan Takal. Même pour les deux, non, l'eau, d'accord. La donne a changé, a évolué. Ou évolué, pour nous évoluer. Le candidat de Benno Bokk Yaakaar a commis l'erreur communicationnelle dans un contexte pareil de parler de l'électricité. L'autre rien. C'est une erreur. Monumental, il y a l'agneau. Moi, que faut moi le couille Hamad, on en a fini. Courant bi coupé. Si l'homme moi y a le, moi l'aller voir le. Un leader, d'afin qu'est-ce qu'ils sont doux d'aime dans la tendance de défendre à tontonter, d'afin dig, d'ay humble, d'ay déco. Mais le discours, y a le à taper fort. Les amener ça rien ne m'aide que tu sois bon. Mais affaire bi, est-ce que vous sabotage? Mais retard, mais même vous des sabotage, c'est encore pire. Ça veut dire que quand on a fait le mariage, on a fait le mariage parce qu'on a fait le mariage. On a fait le mariage. On a fait le mariage. Attention, on a des choses à faire. Moi, que sur le plan organisationnel, il y a toujours cette faillite-là qui apparaît au niveau sismique et systémique même de notre cosmos politico-politicien et social et culturel, tout ce que tu veux. Mais ce que j'ai fait dans l'organisation, c'est que ce que j'ai fait dans le détail, c'est les 7 ans qu'on a vécu. D'accord. Et quand il parle, par exemple, de la victoire au premier tour, mais du voir quelques régions, il y a maintenant, à savoir Dakar, Pékin, Thiès, mais aussi Touba, Sakh, Jot Nenko, pratiquement Am. Alors, quelque part, Nakani disait Bobé déclaration, Bobé discours. Kouidem Chelam, Mfawoubako, et à juste titre, ils ont raison. Aujourd'hui, le candidat de Benno Bokk Yaakaar, dans un sens négatif. Mais que la carte électorale a été chamboulée, c'est-à-dire les derniers jours de compter te dina metti trop ci ñooñu amna ko xamanteni fi mu ngi fi suñu wet ci souf mu ne ma né man fi la nek. Il a voté, mais rien n'est mieux que Louga, Guinée Louga, parce que faut faire une moi c'est mon deck pour mon judo. Voilà le genre de problème. Mélimélo Bobo, quand le candidat de Benno Bokk Yaakaar parle, dans sa tête, lui, il sait ce qu'il a fait, il pense parce qu'il organise. Maintenant, de façon affichée, il va dire à ses partisans, demain il y a, mais dans sa tête, c'est clair. Maintenant. Fofu l'opposition bi done wax né le ministre de l'intérieur waro organiser élection. Aujourd'hui on a l'impression que bon c'est presque un débat qui n'est pas en suspension mais buñu xawa ignorer un peu ñu ngi avancer ñu ngi dem bah on va vivre on craint. Très bien. Alors on parle de cette telle salle, il a pris la défense de cette nouvelle recrue qui a été présentée à l'assistance. Alors
moi personnellement, moi, je dirais même pas personnellement, mais moi, de, en tant que observateur, dire qu'il y a pas de transhumant. Oui, oui, oui. Quand ma maman là, elle dit que ce n'est pas de la transhumance. Après, man dom là, rakla. Je dis, maman, Aïssata, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne pourrais pas être d'accord. Je ne saurais pas être d'accord. Je suis désolé. Il n'y a pas une définition autre que cela. C'est quitter un camp pour partir dans un autre camp dans un contexte où je criais ou je décriais ce camp-là jusqu'à des jours récents, jusqu'au jour où moi j'étais candidat et qu'on m'a chippé ma candidature. Parce que, et qu'est-ce que je dis à tous ces gens qui ont cru à moi, qui m'ont parrainé? Ces gens-là, donc, moi je leur dis non, je ne suis pas le bon candidat, c'est lui le bon candidat. Sur quelle base? Sur la base du terre que j'ai dénoncé, moi, maman Aïssata, j'ai dénoncé ce terre-là. En 10 ans, on ne peut pas prendre 800 milliards d'œufs que tu l'auras maintenu. On ne peut comprendre. Aujourd'hui, moi qui ai tiré sur la transhumance en disant que ces politiciens-là, nous, les politiciens, nous n'aurons pas de à un mois des élections, je pose l'acte inédit et fort historique qui, malheureusement, hélas, j'ai aussi mal que son propre enfant, Bimoudjou. On a vu son fils Clédor qui en parle. Et je les comprends, mais on a hyper mal pour eux. Et les commentaires hélas, aussi n'ont pas été tendres avec son fils. Moi qui suis juste une connaissance, quand je lis les commentaires, j'ai hyper mal. Et là, ces commentaires-là se justifient. Pourquoi ça se justifie? Pour la bonne et simple raison que je pourrais tourner, vraiment, ça compte que pour du beurre, entre guillemets. On l'a vu sur France 24. Répondre à la question, à savoir, tellement me gêne parce que quand elle parle d'invectives, je dis non. Et au moment où Souleymane Déné Ndiaye a vécu cette histoire-là, et en pire, sur un post, par exemple, dans Facebook, il était à 5000 commentaires, il aura maintenu les 99,000 poussières. Aujourd'hui, j'ai vu une dame ou des dames qui disent « Je ne sais pas ce que je veux parce que je suis là, je ne sais pas. » Toutes les femmes du Sénégal, qui ont une valeur vertu, bonne mœurs, etc., ont eu mal. Ça a été un coup de poignard pour maintenir. Qui me comprend beaucoup. Il y en a même qui ont dit, parfois nous, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que nous donnons un chantage? Qu'est-ce qu'il a vécu? Bonne pression, là, etc. etc. En tout cas, quand tu vois son image nous véhicule, on penserait que des Foucault-Dara, quoi. Au contraire. Qu'elle n'est pas touchée par tout ce qui se passe. Oui, c'est une impression qui peut être donnée. Mais assieds-toi, nit là. Il n'y a pas de cliquer ni. Il n'y a pas de là. Même vous des ben tarfatal ay ni ben nit bo taxawé né safuma moy ya un problème moy que ce subconscient doxul te wax deug yalla ba Aïssata machallah on sait que elle a mal. Quelle pression elle a dû subir pour accepter cela, on ne saurait savoir. Une chose est certaine. Est-ce qu'il y a pression? Est-ce qu'il y a pression? Oui. De quoi nous dirons, écoutez, vous êtes là à parler, mais nit aussi qu'elle nous ham. En annonçant aussi d'autres opposants qui vont aller aussi. Aujourd'hui, pas assez tant de pression. On dira nit qu'elle nous ham, etc. Mais nit le, nit pour la wanaye dara metti ou matamit nit le, amna lu koy metti. Mais on ne cherche à dédouaner personne. Elle a ses raisons, mais elle n'a pas raison. D'accord. Elle a raison, mais elle n'a pas raison. On ne lui dira pas qu'elle a tort, on a trop de respect pour cela, mais elle n'a pas raison. Parce qu'aujourd'hui, dans l'intérêt national, Sénégal, nous sommes en l'EP. D'accord. Alors, on va passer vers Feuilleture Versailles, avec le président Abdoulaye Wade qui aurait soutenu ou bien qui demande à ce que nous sommes les militants nous soutenir Idriss Seck. Pourquoi Idi et pas Madi Kay ou Khalifa Sall? Vous nous dites aussi histoire, c'est bien. On se rappelle 1988, élection, on se rappelle 1993 et on va dire le génie stratège qui était aux côtés de Maître Ouad Abdoulaye, au-delà de Maître Ousmane Gom qui était à un moment donné, de Feu Boubacar Sall, de pas mal de personnes qui étaient autour. Il y a quoi qu'on puisse dire, M. Seck Idrissa, qui était l'un des plus proches. Et M. Seck Idrissa, jusqu'en 2004, était proche de Ouad.
le fils, on va dire, entre guillemets, il s'est passé quoi? Il s'est passé que entre M. Cheikh Idrissa et M. Wade Abdoulaye et M. Wade Karim Maïsse, il y a eu un souci. On se rappelle histoire bon nga xamanteni dañ doon wax né ki di monsieur Wade Karim dafa bett Idrissa muy xol le dossier de santé de son papa ay souvenir la mais dafa am lo xamné faaw ñu wax ko nak ñu gëm nak wax ko té muy dëgg la jaxassé wala ka jaxassé digënté Idrissa Seck ak Abdoulaye Wade Karim Wade ñett ñooñu ka dugg seen biir jaxassé ko koko waral lepp lu ñuy dund tay manam meli melo bi am ci parti démocratique sénégalais parce que quoi qu'on puisse dire tay ñi nga xamanteni ño rallié ñu ci bëri ta nekkon ci camp présidentiel au temps de Wat ñoo ñu ñoo nekkon ñi commettre énormément de bêtises dans le régime de Wat ñoo ñu tay ño rallié comme ñoo nañ ñu bal comme de la peste ci période bobu ñoo nekkat virus tay fi moy que ñoo ñu tay ñoo jaxassé won digënté Idrissa Seck ak Abdoulaye Wat ñoo ñu tay ñu joggé fé ñu wat fi ngank lepp mbir mi gëna jaxaso moy que ya toujours ce virus là su féké ni amna ñuy rallier nañu rallier ñu xam kan moy kan lool moy dëgg bi mais le cas de Idrissa nañ comprendre que cela rentre dans une suite logique si c'est confirmé que effectivement Wat le soutient que Karim Maïsse le vote etc. c'est un appel presque à de la reconnaissance qui a été un peu ignorée à un certain moment donné pensant que et c'est comme une reconnaissance d'une erreur qui a été commise qui aujourd'hui doit être rectifiée moi que tout le parti démocratique sénégalais nak soudainement tay gem ko ci pastif and ak Idrissa waxna le fi na Idrissa n'est toujours pas dans le cosmos des oubliés voilà des ignorés voilà de ñu xam dootu ñu compté il va continuer à exister et la preuve il est là donc ce que le parti démocratique sénégalais et ses membres ses camarades yi nekkon fofu jappelé mëna am dara. D'accord. Alors ñu dem ci indice de corruption. Sénégal n'est que toujours dans la zone rouge sur 67 sur 180 pays, ñu ci 67e place bi dañu stagner en gros lan nga mëna wax rek ci walu corruption. Stagnation bi sax selon le forum civil bi joxe information bi da fay dañuy japp ne que mënon na sax ëpp mënon na gëna yes. Mais une chose est certaine, c'est la confirmation de ce qu'on est en train de vivre. Transhumance, puis corruption, là. Quand des gens parlent de négociation, on a négocié. Ce que nous avons voilà, et nous avons cela veut dire que, deal, bon, corruption, là. Moi, bon, viens avec moi, je vais faire ça pour toi, parce que, etc., etc. Alors qu'il s'agit de la nation. Donc, corruption, bon, a un sommet de l'État, mais d'une façon immonde. Comme corruption bobu tay moy confirmé wu ni moy que transparency daf ñu wonné que ñun Sénégal suñu taxaway rafatu jekul et que on est 45e sur les 100 pays au niveau 45 cela veut dire énormément de choses ça veut dire que on n'est pas sérieux. On va parler de la nouvelle pénurie d'eau bi nga xamantene STO da dinay envoyer ben communiqué di wax jafé jafé yi nek ci walu ndox bi ak réparation yi nga xamanté war nañ ko def naka nga gissé lolu da xuy xamaj au directoire de nos amis de la PR a communiqué ndox encore une fois de plus ben kilifa nak neena ma mais def len dank ndox mi attention mané ko ndox mi lan mune ma attention tam nañu dal heure buñu jubé élection rek ñu né ndox mi amna problème baaru dañ ci def dara bon c'est subjectif on dira pas cela mais comme on dit on est au Sénégal dekk bo xamanteni les gens parlent ni dañuy wax ndox mi so amé jafé jafé encore une fois de plus c'est la preuve que on n'est pas sorti de voilà moy que ñu gi encore ci goutte bi ci jafé jafé bi ci métit bi encore une fois de plus que aujourd'hui même si on sort de ces élections, Inch'Allah, même si le candidat de Benno Bokk Yaakaar encore rampine, on sera toujours dans la même situation. Et ce sera encore de mal en pis. Nous n'avons que Djafé Bokk Hamanteni. Et cette tristesse que nous avons. On a mal, on a hyper mal. On nous dira non. Et il y a un discours qui parfois nous tord le bras et nous fatigue. Savez-vous là? Il faut que les gens... Demain, ils disent à Inch'Allah, est-ce qu'un journaliste peut être militant? Voilà, est-ce qu'un journaliste doit être militant? Voilà, est-ce qu'un journaliste... C'est comme dire, est-ce que le journaliste a droit à avoir son point de vue? Alors que ce journaliste-là, il conduit les points de vue. Pourquoi? En livrant des informations. Ça veut dire quoi?
et la presse d'opinion qui existe aux États-Unis et la presse d'opinion qui existe en Occident. Mais nous avons maintenant le Figaro, le Bok, le journal, le Bok, etc., etc. Parce que c'est sur la base d'idéaux. C'est justement pas normal. Oui, non, c'est sur la base d'idéaux qu'on fonctionne. Aujourd'hui, il y a des journaux de l'extrême droite, il y a des journaux de l'autre côté. Il y a eu le journal de notre candidat de Néobok Yakar, Outa de Wad. Il est midi. Ça appartenait à M. Salmaki. Il y a eu le journal Sopi qui appartenait à Wad. Et pourtant, c'était fait par des journalistes, de grands journalistes. Sonou Papabi, Mamadou Omar Ndiaye. Oui, mais est-ce que cela veut dire que c'est la norme, c'est ce qui est normal? Entre le fait de dire que oui, il y a des journalistes, il y aura maintenant des partisans, ou le presse, groupe de presse, des partisans, ou l'organe de presse, qui dit que nous sommes en opposition, ou le pouvoir, ou les partisans. Est-ce que ça voudrait dire que le journaliste, dans son analyse, ou un partisan, quelque part? Est-ce que ça justifie? Oui, ta question est pertinente. Alors, il faut comprendre une chose. Le journaliste, avant d'être journaliste, professionnel de communication ou de médias, c'est un être humain. Il parle en tant qu'être humain ou bien il parle en tant que journaliste? Oui, j'y arrive. C'est un être humain. Le mécanicien, c'est un être humain. Est-ce qu'il a droit à la parole, à donner son point de vue dans son pays? Si. Le menuisier, idem. Le footballeur, idem. Toi, par exemple, femme qui habite chez elle, qui est au foyer, tu as droit à donner ton point de vue. Et moi, le journaliste, est-ce que j'ai pas droit à donner mon point de vue? Moi, le citoyen, ou que si. Sauf que, on me dira, dans le conformisme ou les formalités ou les formes, de faire de sorte que nous devons la part des choses. À ce niveau, on pourra être d'accord. Mais dans un contexte, Taïdjini, si je donne un exemple, Général de Gaulle, moment où il a dit avec les Français, qui contexte de mon école, le journaliste, il a son point de vue, mais son point de vue, c'est nationaliste, défendre la France. Aujourd'hui, moi, mon point de vue, comme tant de personnes, comme Yo, comme Kenel Kenel, c'est de défendre notre nation, le Sénégal. Ce n'est qu'un danger. Lui, pour le ramener, mon quotidien, voilà, voir aussi, le mon quotidien. Maintenant, après, quand dira-t-on, voilà, ce que les candidats, on dira, bah écoutez, on respecte. Mais sachez que, on est des Sénégalais, on a droit à dire ce qui ne va pas, que nous n'êtes que journalistes, nous n'êtes que journalistes. Donc, c'est vraiment un discours qui nous fatigue, dans le sens où, au même moment, des journalistes de la RTS sont des militants de l'APR. Je voudrais qu'on fasse un tout petit peu la différence. Entre ce qui est normal et ce qui se fait. Oui, ce qui est normal et ce qui se fait. Il y a une différence en fait. Je voudrais pas qu'on amène qu'on fasse un débat. Vraiment, mais il faut pas non plus que l'ingérence soit normal ou qu'on veuille en faire une normalité. Je partage ton avis. Lo xamanteni manam daf mel dañu na le diw def na lu bon nga né way mom def na ko man tan démocratie. Je fais parce que diw ñu def. Aujourd'hui, débat bi ñu wara poser. Moi, on est prétentieux à rien du tout. Mais fi Sénégal toll ak li ñu fi gis ak cette perte de valeur d'une façon bo xamanteni ñun dañu nek di dem comme ay xar nañu bal ci wax bi, mais le dénoncer après qu'on dise que non toi tu es contre, fofu lañu am mal. Moi, il faut que dans ce pays ben moment nous akhulay taala ñu xol yalla touti tak aussi. Au-delà de toutes les stations ou les statuts, nous xol yalla ñu né kat li rafatou ñu jëm taxaw fofu à ce niveau dañuy dégg ñu naan oui bon vous savez la politique aussi c'est ça. Quand des autorités nous disent que ce qui est en train de se passer d'anormal c'est ça la politique, mais c'est une catastrophe. Donc dénonciation bobu dafa am yoon. Aujourd'hui tous les journalistes, il n'est pas dit que le journaliste qui dénonce est meilleur du tout, on est loin de ça. Mais une chose est certaine, dans un contexte et une situation, il fallait y ramener coulé. D'accord. Alors, on va avancer d'un petit débat. Nous avons déjà le nu Nafissa Toudramé, invité Société Développement, n'est que présidente du mouvement de la diaspora. Nous avons eu Madame Dramé, nous l'avons eu. C'est Madame Diagne, Nafissa Toudramé. D'accord. Alors, nous avons dit à Molerec, nous avons eu un peu de temps. Bon mangi nuyu ñu nek ci plateau bi yépp di nuyu Papa Ali ak ñi ma fi fekk di nuyu aussi suñu membres yi ñi nek ci mouvement dolé diaspora mi di nuyu Filife Diné di nuyu sama borom kër. Bon donc man je suis à Milan depuis 90, je travaille au consulat général du Sénégal à Milan, mais de mener disons lu ben nit ñaar ko dakh lu ben nit ma bon. Donc j'ai décidé de faire ce mouvement
qui est apolitique, je le précise. Donc, chaque année, pendant un mois, on vient au Sénégal avec nos partenaires ASP Onlus, l'union pour dimbali sur bok yenek fi. Donc, dañuy def ben caravane. Si je voulais, je peux vous donner un résumé de ce qu'on a fait cette année-ci. Bon, donc, on a fait deux jours à Cambérène. Biñ jogé Cambérène, ñu dem Daru Dieng def ben jour, dem Damlo def ben jour, continue photo. Photo aussi sillonné nañ ko. Bon, fip fo xamé ni def nañ ko consultation gratuite. Bayé nañ fa des dons de médicaments, bayé nañ fa des dons de livres, bayé nañ fa des dons d'habits ak ay jouets, etc., etc. Bon, donc, ce qui nous a permis cette année de faire 1651 patients. Dans bon, ophtalmologie, on a fait 373 visites. Dentiste, on a fait 123 plus 124 extractions de dents. Test diabète, on a fait 809. Hypertension artérielle, on a fait 810. Cours de formation de premier secours, on a fait 32. Avec médecine générale. D'accord. Voilà. Alors, là, nous expliquer cette volonté de vouloir définir comment tu as le surtout, tu as le santé, parce que je vois que c'est plus du côté santé, bien que nous absente. Oui, effectivement, parce que nous avons vu santé bifi qui Sénégal de faire de voir tout, parce que l'État ne peut pas tout faire aussi. Donc, nous n'y a disons que nous Sénégal nous avons. Sénégal luñu juddo Sénégal fuñu luñu mel mo ñuko mello donc waru gar la même bu fekké ni ñu ngi à l'extérieur ñu ñëw di participer disons un tout petit peu ci développement réew mi. Bon, bien que ni les immigrés amènent plus de 1 milliard fi au Sénégal, donc ñu ngi participer pleinement ci développement bi, ñu ngi participer pleinement ci économie bi. Immigrés ñu ngi fepp mais batay doyul, dañu gis ni comme santé bi dafa metti. Bon, donc c'est normal que toute une année ñun dañu am ben magasin bo xamé ni fofu lañuy bolé, fofu lañuy dajalé lepp lo xamé ni médecin may nañ ko, pharmacien may nañ ko, suñu partenaire may nañ ko, membre yi aussi may nañ ko, ñu dajalé ko fofu def ko ci ben conteneur indi ko pour mëna dimbali suñu mbokk yi surtout ñu nekk ci all bi. Parce que fofu peut-être amna village yo xamé ni ICP mo fa nek, donc infirmier mo fa nek chef de poste, duñu am ay spécialiste. Donc peut-être médecine générale rek mo fay am. Donc ñun nak suñu waru gar la ñu ñew joxe suñu participation ci centre bi. Lool mo ñu Mais comment ça se passe au niveau de votre organisation? Est-ce que ce sont des cotisations wala ay partenariat yo deni def? Comment ça se passe? Naka ngeen réunir sen fonds pour pouvoir dérouler sen plan d'action? Voilà, ni réunir sen fonds moy on vend des cartes. Carte membre mi ngi jar 10 euros. Lañu wara dañ koy renouveler chaque année. Bon, à part lolu, chaque fois buñu amé ben caravane, donc membre ci sen bir volontairement ñom ñoy jog di cotiser. Ñun nak dañuy léral rek mësuñu am financement ci kenn, du ben ONG buñu mësa financer wala état wala non. Ñun rek ay bonne volonté, ay association yu nekk fofu, ñi nga xamné ni ñom dañ né il faut ñu duggal ci sen loxo. Donc chaque fois buñu waré def ben caravane, association yi ñom ñoy ñi dimbali, ñi joxe 200 euros, ñi joxe 300, 180 membres ci sen bop aussi. Volontairement ñi joxe 50 euros, ñi joxe 100 euros, etc., etc. Loolu lañuy dajalé pour indigo ci li ñuy. Vous êtes combien ci bir organisation bi? Ñata membres ngeen? Bon, fi au Sénégal rek on a plus de 500 membres. Ah. Sénégal, c'est une grande. Wow, c'est wow. Mm-hmm. Compté Italie. Donc on a aussi aussi ben section bu naw Gabon. Il y a aussi ñoo xamé ni France lañu bokk, ñoo xamé ni lañu bokk ci mouvement bi, etc., etc. Donc disons que les ñu ngi bay suñu war da. Mais c'est juste en Italie ou bien c'est un tout petit peu un peu partout en Europe? Bon, ñun dañu ubbi suñu buntu pour ñep. Amna suñu membre yo xamné France lañu nek. Bon, donc bu féké ni caravane amna, ñom tamit dañuy joxe sen participation. Voilà. Légui sen plan d'action, c'est juste au Sénégal wala pour le nek aussi? Fofu ñu nek, si fofu ñu nek ak bi santé bi mom, disons que social bi ben rek la ci volé yi. Mais ñun képp ko xamé ni bokk nga ci doolé diaspora, problème bo mëna am, dañu am groupe WhatsApp bo xamé ni dañ koy discuter ci bi. Problème bo mëna am muy problème keuyit de administration, lo mëna am bo dugalé rek di nga gis ben expert bu nek ci bir bu lay répondre wax la yone ba ngay aw. Et qu'est-ce que vous faites par rapport à la situation de tous ces migrants ou sénégalais yi dess fofu ñu diw fat nañ ko wala diw ñak na ba kenam?
est-ce que vous êtes actif fofu? Oui, nous sommes actifs. Par exemple, qui sont des gens, donc nous avons enveloppe de participation de l'Eco Diabardi, il dit waouh. Et puis, nous avons fait marche aussi, le secrétaire général, Malik Fall, demande de marche. Donc, nous avons fait marche. Et en termes de prévention, est-ce que vous êtes actif? Prévention, ce que moi, je vais vous dire, képp ko xamé ni bokk nga ci doolé diaspora am fi section ñun niñ lay dimbalé moy no développer sa terroir te développement terroir bobu day stopper immigration clandestine voilà parce que sénégalais buñu amone yaakar naan duñ dem di wuti ñaka tax ñuy dem di wuti kon nak ku leen dimbali fi ñu nek yaakar naan duñu dem ndax té quoi qu'on puisse dire nak sénégal nak deug yalla mo tax europe ñaka xam nak lim waral bari na bo gisé nit ñi di dem di do ci yoon dañu xamul lu fa nek té europe avant do tout légui dé nit ñi ñi fa ñi fa bayyi buñu waxé ñu né yeen nak lutax ñibisu leen parce que ñun yag nañ fa ñu ngi cotiser suñu retraite buñu joggé abandonné xeyna day démé nonu mais man fa luma nek ci consulat vraiment chaque jour nga gis mo lo yeb ci assistant amna jigéen ñu fa nek ñoo xamé né amatu ñu xeyatu ñu gontu ñu yakku seeni doom yi assistante sociale yang koy nangu amna ci ñoo xamé ni dépression lañu am ñu ngi ci gare centrale bi taxawalu fofu amna ci ñoo xamé ni ci souf consulat bi lañuy genn mom boy genn rek ñu dagalé la tay di ci takku moy woné ni lekku ñu nga yëkati astout may len donc ñun fofu aussi ñu ngi sensibiliser vraiment ci suñu mbokk ñu bokku ci doolé diaspora bi ñu ngi len di sensibiliser ñu ngi len di wax ni len fa ñu nek d'abord nous constituer ba paré ñu wax ñu par exemple ñun kat dañu bëgg yëpp ci agriculture ñu dimbali leen yobul leen ku leen défal formation d'abord parce que si lepp lo yëngu il faut nga am ci xam ci dal touti touti pour baña échouer ñu yobul leen d'abord formation ñom tamit ci seen biir ñu ngi cotiser buñu cotiser ba am lo xamé ni peut-être xawna ki touti ñun dañuy wo buñu woy bureau exécutif buñu ñu discuter lan lañ leen mi ci mëna dimbali budé tracteur mëna leen ko jiddi jëndal indi leen ko ñu dimbali leen ko budé par exemple jigéen yi nga xamé dañu nekk peut-être bëgg def ci transformation des produits yi nekk fi aussi ñu dimbali leen ci voilà est-ce que vous les aidez dans le sens de c'est difficile ici rentrer au Sénégal sensibilisation ils acceptent des fois oui des fois nga gis ko ñëw ni la man dé soxna ci lén rek la bëgg gën dimbali mo ñëpp bari na su ko defé ñun ñu cotiser ci suñu biir ku ci nekk am li nga am jëm ci daayira yi ci ci ñu defal leen récolte son ñu jox leen ñu ñibi ci vraiment ya fofu nak mo metti na ku ko waxul tamit metti na metti na lool yeen li ngeen di def ni par rapport ak yi nga cité ni vraiment yu am njëriñ la ci ci askan wi mais est-ce que du ngeen faral di jankontel ak ay jafé jafé parce que bari na ay immigré yo xamné parfois dañ lay approcher ne len bëgg na défal li sama réew mais duñ mako yombalal walu nguur gi par exemple ak ñi nga xamné en tout cas ñoo ñoo ñu jité duñ leen yombalal torop mbir est ce que di ngeen faral di am jafé jafé yoy waaw jafé jafé peut-être problème administratif la parce que ñun chaque fois bu ñu ñëw li ñu jëk def moy dañu adresser une correspondance au ministre de la santé pour wax ko ni bok ñu ñëw et puis ay garab aussi mëno ko jël non rek duggal ko ci réew il faut nga jox amé ay attestation yu attesté ni garab bi dugg na fi donc attestation bobu di ngeen ko am mais pour dire la vérité musuma réponse. Mmh. Déjà. Oui, papa. Par exemple, si nous avons fait un correspondant adressé au ministre de la Santé pour nous dire que nous avons avisé. L'État ne réagit pas. Voilà, l'État ne réagit pas. Dommage. Mais ce que je veux dire aussi, chaque fois que nous avons fait un poste de santé, donc on est bien accueilli. On est bien accueilli, on est bien inséré. Infirmiers chefs de poste, ils ont oublié les bureaux, ils ont oublié les bureaux, collaborer avec nous. Vraiment, il faut que je vous remercie. C'était bien. D'accord. Alors, peut-être, on va. Papa, tu voulais dire quelque chose? C'est bon. D'accord. Alors, nous allons dire peut-être ce dernier mot par rapport à l'organisation. La perspective, c'est quoi le programme à venir, etc. Voilà, le programme à venir, moi, actuellement, mouvement de la diaspora. Pour que def moto dafa bëgg def mutuel de santé ma ngi lay wax moto comme italien dafa bëgg def mutuel de santé donc ni ñi def moy dañuy jëm signer ay convention avec des hôpitaux yu nekk fi à Dakar ba nga xamé ni képp ko xamé ni bokku nga ci mouvement bi boy cotiser bo ñëwé fi do am problème santé ses parents aussi la même chose
voilà lolu ñu koy mi ngi en gestation mais yakarna ni peut-être filé lu néw dina sorti li ñu bëgg aussi moy def fi ben structure de bo xamé ni vraiment chaque 3 ou chaque 6 mois dinañ fi envoyer ay spécialistes avec l'accord du ministère de la santé bien sûr pour ñu ñëw par exemple ophtalmologie dañu bëgg dewen ñu jëm sét nan lañu mëna indé fi ay médecins pour ñu jëm def opération cataracte voilà lolu ci suñu projet lañ bakku té ñu ngi ñaan yalla yalla sortir ko aussi je peux faire un petit remerciement voilà ma ngi remercier vraiment suñu membres yépp parce que man may présidente mais man rek mënuma dara donc il y a une équipe dynamique bu nek ci sama gannaaw il y a des jeunes ñun suñu for nak moy il y a des jeunes yo xamné ñi 24 ans ñi 25 ans ñi 26 ans ils sont tous des maîtrisards ñi ki suñu am sax 3 maîtrises doctorat ñom ñoo nek ci biir mouvement bi vraiment diko dundal lepp lo yëkëti ñu def ko mën na sax annoncer bo ngeen ma jallaléwul service commercial après parce que le 9 février dañ bëgg def fofu ben débat pour les 5 candidats à la présidentielle ku ci nekk nak bëgg nañ nga ñëw nga wax lan nga nam en Italie voilà en Italie lan Milan lan nga nam ci immigration bi lan nga ce programme dañu bëgg xam ci ñun voilà parce que ñu ci ñu bari sorale wuñu té ñun nak wax dëgg yalla ñu ngi participer bu baax ci réew mi donc dama bëggon na lool tamit ma ngi l'appel ma ngi lancer ben appel bu wax 5 candidats yi bon donc le 9 février on a organisé ce débat télévisé donc ñu ngi leen di inviter ku ci nekk nga ñëw wax sa programme bo mënu ñëw aussi nga indiquer kenn ko xamé ni peut-être ci sa staff la boko mu ñëw représenter la wax ñun on sera en pleine campagne électorale c'est sûr que dina difficile pour nous peut-être le représentant oui peut-être mais bu leen politique dé mu fa aspiré nekk après objectivement c'est bien ñun on fait pas de la politique et puis dafa nekk mouvement bo xamé ni ñëpp ngi ci biir la preuve en est que ñun ay députés ngi fi ay disons conseil présidentiel ngi ci ay parti yépp ngi ci daal loolo tax ñun dañuy interdire pour politiser vraiment suñu mouvement parce que buñ ko politiser rek mu yaqu d'accord xam nañ ko donc on est en droit de la politique ñu ngi remercier vraiment suñu partenaire yi ASP en plus di remercier képp ko xamé ni bokk nga ci mouvement dolé diaspora nga nekk Italie wala nga nekk Sénégal ñu ngi lay remercier d'accord merci beaucoup Nafissatou Dramé nekk présidente mouvement dolé diaspora dañuy daldi enchaîner avec Niakhalé dans InfoWeb premier fait divers bi ñu waxtane mom moy l'affaire Okotcho mu melni ñu ngi waxe li nga xamantene non la démé alors ma bay la rek ci le faux Okotcho bi nga xamantene dañ lañ koy arrêté effectivement assiette mu information bi nga xamné ma ko jëlé ci wa dakaractu.com site internet bir veut prendre pour di moment que jamono ji bokk na ci li nga xamné mi ngi def buzz bu baax ci bir dëkk bi ki nga xamné mom mo defone bopam ni moy Okotcho Marma mu wuté carrément ak ki nga xamné moy véritable coach bi ñu jappon ko fele ci Kim Fat Palace information indi na len ko fan yi passé mo am nak ay enquête yo xamné jamono ji suñu enquêteur yi ñu ngi dox bu baax mo am ay révélation ci génn par rapport ak victime yi ñi nga xamné ñom ñoo doon subir chantage yoy mu len doon def ak yu ñaaw yoy nga xamné mi ngi len ko doon exiger amna ci kenn ko xamné néna dafa dem ba melone ni ben genre objet sexuel ci mom parce que bimu démé ba am ay image yu obscène ci mom parce que moy ni ma len expliquer la dernière fois daf len di contacter sur Facebook gëm lolé ni mi ngi ak image ay image ci mom buñ ko ñëwul sét ci def lim bëgg ak mom day duggal image yi voilà day publier image yi ñamit ak ni ñu mel jigen ñi yenn xalé jigen yi voilà très naïf vraiment def na il est temps vraiment ñu def dara sen bop yi ñu dem rejoindre ko mu ci lay am nak li mu leen di voilà parce que après day muju nek ak ñom filmer ko am nak preuve ak element bo xamne dina leen mëna santage am na ko xamne da ko daan dem ba rejoindre ba Allemagne parce que waji Allemagne la nek day ñu Sénégal après di delu da ko daan rejoindre ba fofu top ci lima bëgg tout temps top ci lima bëgg ndax ragal mu publier image yi ci internet bi elles sont au nombre de 3 mais mënu ñoo wax sax lepp lim len doon def lo ci télé bi c'est quand même bizarre c'est obtenir une image de quelqu'un bon nit né dama yo sa image peut-être ni da na ni dé amul won mako ñak mako néko gennel defal lu la neex
police dana la fekk fa nga ne voilà la chose ben moment mais xam nga tamit ben moment xam nga jigen ñi xalé jigen ñi légui dañu nekk ci ñom seen bop dañu xawa ragal parce que xam nañu au fond certainement amna lenn lo xamne def nañ ko te woru len nak à 100% waji mu ko yor ou pas oui la preuve lolu amé le vrai coach quand il a formulé des menaces tu vois des gens yo xamanteni ñu gën di excuser ou passer par là comme si coach lu mu len menacer rek mom moy cliquer comme ça pour que image yi dal di terreur ben terreur la nek jamono ji ci bir Sénégal man li ngay wax ni gis na ko ñep gis nañ ko xalé jigen yi di genn di balu ak comme si ben nguur lañuy waxal wala ben nit ko xamne dal vraiment muy wone ni rek ni parce que biñu arrêté il y a eu ñu ci doon contane glorifier et tout ça ñu ci xam sax ñu ngi ci duñu tuddu tur kenn mais ñu ci xam bu baaxa baax amna ño xamanteni ci yenn série Nek. Donc bimu amé rek c'est un premier réflexe mom moy commencer di contane nan ñaw bu baax na ci mom et tata malheureusement le vrai coach mu ngi suivre lool yépp après guen formuler des menaces voilà. Le lendemain, sur lendemain, tu vois, c'est si même fille là, Guenne dit, djema gorgorlu ci suñu vie ci suñu dundu parce que ñun ñoy jigen ñi nga xamne ñun ñoy nek yaay ëlëk ñun ñoy wara jox xalé yeen éducation yi bu fekkante ni suñu côté déjà c'est gâté carrément gâté je me demande man éducation lañu mëna jox xalé yi en tout cas doyna wax ko ci mom ci te nañ ñi ci ñu daali dem ci Kédougou ñetti braqueur lañu arrêté ak ay Kalachnikov effectivement assiette moy information bi nga xamne wank jël ci serveur.com ñi nga xamne moy suñu gendarmerie nationale ak police ak douane ñu ngi def ay djégu yu am solo ci mbir mi parce que yagul indi won na len fi élément bi woné ni amna ay braquage yi nga xamne def nañ ko ci yenn dëkk yi des coins un peu reculés ci Sénégal surtout ci frontière yi dañ fay wacc goudi indi sen ay arme ak yoy nonu di len faat am ñu dañ ci faat nangu sen li ñu yor ak yoy bobu légui nak wa gendarmerie ñu doon def liggéey ba dernièrement am na ci sen opération bi muju japp nañu ñett nit ci benn bande de braqueur bi nga xamne muy won fofu nonu ci Kédougou fekk ci ñom ay Kalachnikov ay chargeur ay munitions ay machette ay kagoul matériel bo xamne dal mo la doon permettre ñu dem di def sen jëf yu ñaaw yu ci dëkk bi voilà muy woné rek ni jamono ji ñu ngi ci toujours ci opération bi surtout ci ko secteur yoy nonu ñu leen di tek loxo bu d'accord alors xuy kamatcha bi passe sam don wax legui Macky Sall karma bi xam karma wala sax poisse mu fay japp mu tuddu ko rek xuy kama ci am waaw effectivement mu nekkon vidéo wa sax mu fekkante ni régie parce que pas sam defena wax na ci lim ci wara wax waaw mu fekkante ni paré won régie mu ne nañu duggal vidéo bi ni Paul parce que c'est rasoul vidéo paré non ou pas paré xam nu way digenti ko de ko sétal rasoul vous regardez la vidéo paré non ou pas bu ma defé ci rek alors ñu dem xoli merci rasoul ñu xoli vidéo bi dem tuddio mais aussi qui a permis un rattrapage vital sur l'énergie, l'électricité, le coût d'un prix court. J'allais dire qu'il n'a plus de cours légal sous notre gouvernance, parce que nous avons réglé la question de l'électricité. Il fallait pouvoir le faire. La question des infrastructures, ce sont les bases du développement économique. Mais est-ce que du courant bé est-ce que du lampe yi lañu fay rek pas tay mais je veux dire xam nga ñu ko won fi jikki rek ñu fay ñu fay mais bon fay lañu lampe yi dal mais kan mo am c'est que c'est ça c'est ñe fa nekkone organisation bekk lepp
président de la République ñëw di wax par rapport ak programme ak par rapport ak li nga xamné ñeego yi nga xamné def nako ci dëkk. Nous avons résolu le problème de l'électricité. Waaw, le xuy kramaj c'est terminé sous notre gouvernement. Automatiquement rek chat la chat chat la chat. Ya kamaj xuy kamaj mo amatuñ ko. Mais chat ñëw lañ japp chat la chat day am dé. Waay courant fi ko pour courant mo wañé ko wax dëkk doxal dëkk. Mais japp né chat la chat nga fa mess dafa mess waaw xolé duggu alors ci même rencontre bisuma djoumul mayam faysal ak dom ji dal di ñew assister en retard mais avec humilité am geste buñ def effectivement assiette mo information bi nga xamné mako jëlé ci dakarbuzz.net ci internet bi bari dal di ko reprendre aussi c'est pas la première fois lu mel ni di am toujours parce que bim amone na bimu ñëk def fofu filé ci Touba la won bimu ñëwé tamit en retard mo dal di tok ci souf nangul déranger nit ñi dem tok bon nit ñi di saluer vraiment humilité mbeg yoy lolu mais tamit lén tamit amna ça a souligné première dame la lutax mo nek toujours en retard la mel lu man wala parce que protocole la way protocole la président la and ak soxnam lolou lañu tab guiss ñun à chaque fois ñun ñoy ñëwëndo ñoy duggëndo mais bi moy ñaar yoon suñu madame Faysal suñu première dame bi simplicité bi mu andal mom vraiment neex nañu bëri ñi bëri ñu koy rafet mais tamit retard bi amna fenn fo xamne tamit warna fa mëna dak parce que bi yoon moy ñaarël yoon du melni ñi xalé jallo nga xamne day nek kërëm di makké def kan xamul rek bu heure bu jot mu ñëw c'est la première dame oui nit ñi dañ koy xaar donc yeen retardé defé na war nañ jëm na gër gëru touté d'accord alors ñu dal di jall ci Aïssata Tassal avec son fils Clédor bi jël la défense de sa maman effectivement Aïssata légui passe ak min ci wax xam nga rek li nga xamne moy yaay bu fekkante ni ils doivent être forts yi nga xamne ñoy doomu politiciens yi ak doomu nit ñi nga xamne ñu ngi toujours au devant de la scène ay personnes publiques légui ak yoyu nonu parce que fu mu toll ni réseaux sociaux egg nañu niveau ko xamne ragal dañu ragalatul kenn du chef religieux du président du ministre du dara luñu xalaat bañu am rek dañ koy wax c'est automatique ñum lañ nexé dañ koy waxé ki nak nga xamné moy Aïssata Tassal gana bi nga xamné dañ jappalé ci Macky Sall mo am ay réaction yu bari yu joggé ci internet bi ñi naan dafa transmettre limu doon wax ak yoyu non mam yi metti ci doon genn ki nga xamné moy domam nak di Clédor mom genn na dal di ci wax ci waxam nak mom néna ki nga xamne moy yaayam décision bi mu jël nako top parce que Sénégal xamé nañ ñen ci dara duñu soutenir mais ñen nit ñi nga xamne ñoko soutenir nek ci OZRN ñoñu biñ ko votélé ba toll fi mu toll ni bu fekkante ni d'un commun accord ak ñoñu ko soutenir nangu nañ ñi day dem rejoindre Macky Sall donc nako def tranquillement sans que mo xalat nit ñi liñuy xalaat ci biir parce que Sénégal dal moo mel ni moom dal mi ngi encouragé yaay ji te loolu dal dañuy xaar ci doom aussi d'accord merci aussi Nafissatou Dramé. Dañuy dal di tàmbale rek deuxième partie bu 12-14 ak grand Ousmane mi ñu rejoindre ci plateau bi ak invité ma maa ngi koy wax ci début émission bi di suñu tata Fatime Dabar Diop nekk première femme reporter en lutte dinañ ci dal di dugg waxtaan ak moom bu baax a baax a baax dañuy nuyu grand Ousmane en attendant grand maa ngi lay nuyu. Maa ngi lay fay Assiétou di nuyu Fatime Dabar ñu bokk nekk ci lamb ji maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu aussi papa ñaxale maa ngi koy nuyu aussi di nuyu aussi équipe technique yëpp fàttewuma kenn di ziyaarte bi Serigne Sidi Alquran mu Serigne Abdourahmane Mbacke mu Serigne Modou Mamou mu Khadimou Rasoul mu Mame Cheikh Anta Mbacke rakku Serigne Touba maa ngi koy nuyu kooku ñu ngi koy nuyu ak waa taalibeem yëpp ak waa Jambagan yëpp di ko ziyaar. Maa ngi koy nuyu moom tamit bu baax a baax a baax moom Serigne Sidi Alquran. Alors ñu nuyu suñu invité actuellement wax naa ko léegi di Fatime Dabar Diop ñu lay nuyu. Assiétou maa ngi leen di fay ginnaaw ma sant yàlla julli ci yonent bi
mangi nuyu ñep dal képp ñuy sétane rek mangi lay nuyu Ousmane dafa nuyu légui sama xaritu xol bobu lu muy señ Sidi Alcorane day sen koy nuyu diko ñaanal mu yag fi lol te mu and ak wër amin amin way amin bu baaxa baax dañuy daldi enchaîner rek ci ñaar ñi nga xamantene mom lañu déssé ñaxalé té benn bi ndax fi ñu yamone mom moy Aissata Tall Sall bi ci top nak mom moy population yi nga xamantene feulé ci Medina dal nañuy dakk ay agresseur yo xamantene dal bañ leen dal di dakké gis nañ ci ñoom yenn drogue yi ak yenen ma bay la nga dal di effectivement assiette mu information yi nga xamna ko jëlé ci leral.net li mi ngi xewé fi ci Medina rue 41 angle 28 ñoom nak gannaaw bi nga xamé nenañ dañoo sonu ci agresseur yi ci ni ñi doxale ci sen gox gogou lolu ak ni ñi yaké sen ndaw yek yoy nonu ñom nenañu jut nañu jël sen propre initiative pour ratisser large xol côté yi nga xamné en tout cas fa lañu gëna nek ñom sen propre ak sen propre moyen jël sen initiative dakh ñi nga xamné ñoy agresseur yi ak ñi nga xamné ñoy voy yi nga xamné sen liggéey du dara du semer terreur fofu ci bir su bir quartier ba bon biñu défé sen opération bu ñëk dal dinañ fa japp ay nit ño xamné ñu yoror ay yamba toujours xam nga dañ koy d'habitude dañ koy fekk ci ñom ay arme blanche ay coupe ak yoy nga xamne mom lañuy garnaay yu utiliser rek d'habitude pour agresser ñi nga xamne ñoy seen koñ moy initiative bo xamne c'est à saluer je me dis que ben instant et puis ils sont en collaboration avec la police dañuy jup def ko lo xamne c'est légal police jappalé len ci parce que il faut tamit comme niñ ko do waxé kéro rek amna fiñuy toll il faut population bi tamit soobu ci du légui damay tok rek gis ni nit ñu koy agresser mu bañ dem di défendre koku ndax ragal ñu agresser mak yoy non ba finalement koku mëna ci ñak bakkanam bu ci nit ñepp juggé def ci sen loxo amana situation yi melni dina faju bu baax tout à fait cette fois-ci ñu wax ci Aïdja Diallo ak Ibou Touré qui formule des menaces waaw effectivement Aïssatou mu information bi nga xamné ko jëlé ci Dakar buzz ñomit muy couple bo xamné semaine bi yëpp def nañ ko actualité ñu wéné won au devant côté people ki nga xamne moy Aïdja Diallo ak Ibou Touré marié won fi dernièrement yagul ba yalla may len ci sax ben bande mariage bu may ciow sax voilà bu bari ciow mu amone ay rumeur yo xamne da doon genn ñu naan ma Aïdja dafa divorcé ak yoy nonu ki nga xamne moy Ibou Touré day envoyer ay message yeneen jigen ba ñuy cité ci Karina Tavares dal ci cité tamit ki nga xamne moy Betty di genn ci ben série mu newon rek ay rumeur mais dernièrement ki nga xamne moy Aïdja Diallo xam nga dama jigen amna fo tollu da ngay sus ben instant da ngay bëgg rek defulé wu gënné li ne ci yow parce que surtout su fekkante ni jëkkeer ji nga xamné mom nga choisir bok ak mom lepp nga découvrir ni mi ngi lay tromper via ay message ak yoy non yi mu découvrir ci photo bi yépp yoy dal la jël ci snapam di yendo balancer di def capture d'écran di génné carrément fi ñuy gis discussion yo xamné ki nga xamné moy jëkkeeram ji mi ngi mu ngi koy def ak ay xalé jigeen di leen joxante rendez-vous ak yoyu muy lo xamné nak metti lu nako mom par rapport ak snapam bi mi ngi koy wax mi ngi wonta mi ngi xamal nit ñi tamit mi ngi demande divorce newutul dal en tout cas ci ay lien de mariage d'accord nit mom dañuy wax rek mais metti nak les gens dañuy wax né li nga leblé buñ la ko fayé dafa fa buñ la fayé dama da fekk la nga leblé mom mo baxul alors ci période bobu on ne construit pas son bonheur sur le malheur des autres il y a eu beaucoup de problème ci biñuy marié avec son ancienne épouse et tout alal li nga xamantene waron nako jottu ko yoy yep ñu ko doon deg ñawala te jottam ñu fekke ñu ko fi tamit waaw duguñu ci vie wu kenn waxuñu ci kenn mais quand même xam nga bo siwé ba paré sa vie nga diko étaler ci place publique bi comme effectivement après nit ñi buñuy commenter mëno leen téé tu vois lu feñ ci sey nu yowon na ci ngoroga j'ai envie de dire lu feñ ci sey nu yowon na ci ngoroga deug la dañu noppi won rek deug la am nañu xamné mom duñu changer avant c'est tout bien c'est ñom sax est-ce que c'est une mëss na neex parce que ñom
au début ba fin bi toujours ñoo ci ñoo ci ay problème waaw début bi dañu ngi doon woné ñu ngi won ci banné parce que ñu ngi doon def ay photo de snap di ñaawalaté di gaar walé ak yoy non mais karma dafa am di tuba bi tuba karma dafa am retour de flamme dafa am té ñun nak suñu mbokk jigeen ñi nak dañu mëna ñun ñoo mëna tek suñu mbokk jigeen ñi lu metti ha effect luñ ko mën lo rek afi nit nek ci seyam nga nek wala ba pay diko ñaawal na ko yakal waaw na yak sey bi na yak tabi digeunte bi xeyna ñun la xoma soxor la xoma ñaan la xoma yene wo koku jamm mi nit ko li ci banex ak jamm ñaanal ko billahi deug nga jappaloko way bu ko yakal deug la lolu ñu wax ko legi ha lu ñu lu ku nek mi dalebe mom lañ lay fay wax nga ko legi effectivement té éviter suñu vie privée ñuy étaler ko ci place publique c'est mieux parce que problème amé mom yatt bi day dal fa alors merci beaucoup ñaxalé merci ci li ñu andi dans info web on va enchaîner avec grand Ousmane ak suñu Lyon bi sama doom sama xaritou xol c'est une Lyon non Ousmane non Ousmane mom tay dama koy neexal parce que li mom luma beggone la tok rek jakarlo ga setto lay dafa pass sans public depuis ce matin mu fi di mo xaaral ndaysane contane na ci lolu alors c'est une Lyon parce que jigen ci lamb sax dafa xawone ken yaakarulone sax man na ne ndax mom mi bimi ñew ci lamb ji bobu mom dogu mo fi ñek ci jigen ñew nek ci radio nek reporter ni daw ci lamb bi micro ci lamb ji di ni dajje ak mom muy fil di daw di def ay ITV di yek ci tribune ñun goor ñi li ñuy def mu koy def mom la jëk gis ci jigen mu def ko koku déjà rek c'est une lion koku mais nak dañuy ñëw directement au but ci waxtaan wi gis nga ginaaw bi ñu président Macky Sall joxe sunu bijou bi nga xamne moy 32 milliards yi mais arène nationale bi tok nañ ay journée sax yo xamne tegguñu ci le ndjay mo ñew ubbi bal bi après fallu ndjay ñew na seigne modou ñaw ñew na keneen ñew na mais teug nañ fa ay journée mat 4 wala 5 journée mais gis nañ ne lañu doon titre mi ngi am parce que bi nga xamé né arène nationale bi lamb ji commencé na fa am ñi nga xam ñoo ñoo dëkk ci gox ba ñi nga xam ñoo wër arène nationale bi fi mu nekk ni agression bi dañuy jaar ci dëgg bi xalé yi ñew ñu sétal lamb yam ci mais sonol nañ population yi bu lamb ji tass wala avant lamb ji ko ñu dajal keuf sa téléphone genn ay jaasi genn ay paka vraiment doyna war lool nak ci la bëgg ñu waxtaan ci en tant que yow ngey reporter ci lamb ak ñu ngi gis bijou bi nga xamne jox nañu ko ak ciowli ci am yépp ñu ne ñun wa lamb duñu mëna téy bijou bi téy ji xalé yi di def li jeul jeuf Ousmane man damay wax sax ni man dama ñëkati man ci sama bop parce que nak gis nga lamb ji bo génné fofu dafa ni ko waxe dafa lendeum aussi ci ki nga jëm ni ko waxe ci all bi ci tool yi ci nga jëm donc yow fofu buñ la fa agressé hein leneen mom lañuy wax lu nek mën na fa neena len ñun ñoo doon joy arène mais damay wax ni ci Ablaye Wade buñ fi nekké mom daf na ñoon fele ci parcelle assine ci kaw bo jibe foire bi fofu lañu xol ni fa lañuy def li nga xamni mom moy arène nationale donc fofu ci biir dëkk bi fa la nek mais fi ci all bi la nek bo gisé kéro combat ki nga xamni ni mom moy Mourlo ak Ballagay bi combat bi tassé agression yi té fofu ci biir dëkk bi la biir dëkk bi la ci biir dëkk bi la mais fé ku la fa agressé day daw dugg ci biir ñax yoy nonu falay daw dugg mais problème bi sax moy ñom bu lamb ji jéxé dañuy dugg ci biir quartier yi di fekk nit ñi ci seen biir kër xol nga gis nga ba xolé xol illustration bi xam nga li tay ji war nañ ci jox parce que tay ji li dafa nek lo xamne actuellement kenn nekku ci sécurité non kenn nekku dañuy dox dajje ak yow ba ceug dara kam bi jël sa alal xam nga ne li nek na lo xamne li kiñi door ni c'est un agresseur c'est kiñi door agresseur bah je veux pas dire qu'il le mérite mais voilà mais kenn nekku ci il le mérite nak wa setu wa parce que aussi a setu li nga doon wax legui ak ñaxalé gis nga wa medina yo man ma ngi leen di gërëm di leen sant bu ñëpp defoon ni ñoom jàmm dina am dina tane parce que
koñ bo dekk bu fa agresseur nekké wala ko xamné def ko tu nenen la wa koñ ba xam nañ ko bu baax buñ ko sutural buñ ko sutural ndax xam nañ yaayam wala xam nañ bayam dédé il faut dénoncer toujours ki nga xam da en insécurité parce que tay ji li ngay neub yow mëna dal sa kaw mëna dal sa kaw do am mais tay ji lamb ci bu fekké ni arène nationale bu tassé mëno jël population bi kenn ku nek jox ko policier mu diko garder mënul nek alkaté li ñu mën moy dañuy sécuriser fofu yépp mënañ ko sécuriser mom bo nek ci stade mom té en sécurité mais bo génné stade bi bo nga xamné génn nga rond point bo bo commencé dugg bi pikine wala nga dugg côté technopole bi am nga problème wa lolu nak vraiment nek na lo xamné war na ci waxtaan yo en tant que reporter nga bok ci lamb bon solution bi gis fofu Ousmane solution bi ma gis parce que tamit Ousmane bala ñi ñew sax ci solution bi xam nga arène nationale dañ ni ñun ñoko mom donc ñun légui djégané tuñu fenn ci liñu mom fa lañu jëm may wax ni ñun bañu djégané di add arène dañ doon fay moins cher mais tay fi tay promoteur yi ñepp ngi joy parce que nak daan fay ay 150,000 ak 200,000 tay ngay fay 1,500,000 estat 500,000 police ñu néla 500,000 hein donc moone dé donc na kay ben promoteur donc néma boy ku ci teug bo mo tuddu do teug ndax la mu néma kay de charge bi 10 na xam nga Ousmane gis na sax ñu ci wax di ci ngagn ki nga xamné ni mom moy Matarba mais man fofu dama nan dédé parce que Matarba ñepp la ubbil buntam ñepp la ubbil buntam ndax Ousmane bo fatali ko biñ né lamb du am stade demba djot dafa taxaw ni ubbil len porte lamb am donc Matarba ñepp la ubbil bopam lamb ji cher na 1,500,000 ci promoteur bu mag sa cher na ci mom 50,000 promoteur bu ndaw mais ñom nañu dem gis le ministre des sports su fekke lamb ji lamb lañ ko defal ñu oyofal ko man tok na ministère des sports mom mu ne mom Matarba ci télévision la nek mu ne promoteur bu ci wëra teug bu fekke ne am nga jafé jafé ñëwal nga gis ñu xol na lañuy def très bien donc mom ubbi na ay buntu mais actuellement bu ñu bëggé ñuy continuer di teug ci arène bi non ben il faut ñu wañi kay de charge bi dimbali promoteur yi ndax sponsor yi wuyotuñu bi ci dess moy bu ñu bëggé nit yi di ñëw amateur lamb yi di ñëw koku nañu fexé ba sécuriser arène bi man lima bëggoon ñu mën fa def ben brigade gendarmerie wala ñu def fa ben poste de police d'accord wala ñu jox ko les militaires ñu gérer ko ñu nekk fofu nga xamné sécurité bi danañ bu lamb ji jéxé dañuy top foule bi top foule bi ba disperser len hein ba nga xamné légui mënatu ñoo defati dara lo xamné ci dina la galam ko population bi mais bu fekké lamb ji lay tass rek ñu sécuriser arène bi boy buñu génné du def lu leen neex ko vraiment aussi lolou dina yak dina tilimal dara dara lamb dina tilimal dara lamb doli ci limu tilimone parce que ñun lamb néna leen dañ ko def su dañ ko def ñom seen poubelle ñun amuñu bajjan wa ñun amuñu bajjan amuñu ko ñu joyé lu jog rek ñu né lamb te pourtant du lamb kessé non da ngay gis ni machine na tan tassé même boy lolou lañuy def donc lolou dal Fatim Dabakh sa dernier mot parce que fu nekk ni temps bi xoj na na en 2 minutes tamit wax ñu tuuti ci expérience am ci walu lamb en 2 minutes wa ma ngi ci gorgorlu nak asiatu ma ngi ci gorgorlu ci duggal mo ma jëk jaax la lu ma ci duggal moy wax na ko sank asiatu bëgg lamb ma ngi netali asiatu man ko kéro bu ma ñëkke waxtaan ak sama directeur mu Souleyman ba ñu ngi koy ñaanal yalla na suuf oyef ci ko mënu gëm li mako wax ndax ma Fatima na ma jigen ci lamb wax na ko asiatu mu metti won nak waaw mu metti won trop biñu data xam ni man liggey rek moma yëkëti Ousmane mu ne daj na ko ci lamb lu nekk daj na ko ci lamb mais goor ñi xajal nañ leen aussi ma kan ñi ma leen xajal ñi walu asiatu parce que métier bo gis ñu tambalé ko ci goor ñi en général jigen ñi buñu ñëwé rek dafa melni du ñëpp ñoy nangu dal waaw asiatu nit da ngay oyofal sa bop man dama ñëw fekk sama ciab ji rek ma daw daanu ci ñoom xam nga ma ngi koy fatlikou amna ben reporter bu mësa ñëw lamb bu ñëwé day romb du nuyo du def dara Ousmane dem tok fele na le ben bis ma woko bu mu ñew maniko yow liggeyo de mu ne lan motax maniko say tam yi rek nga fek
bo ñe mën na mané ko nuyu leen kaf ak ñom rek ñom mané ko taxul du taxul nga ñak fayda ndaysan mu ñew lamb rek ñew nuyu nuyu jour bob man bekay mbay ni la def xol man ni man da bax ma xol fa ni ci benen yoon ba mu fekk ma man ak bekay ñu taxaw mu daw rek yek botu ci ginaa bekay bekay ni ma yow ray nga ñu mu ñu ko baay ci aussi gis nañ aussi momit amna ben oyof bu nekk ci mom day ñew sa fekk ma tok sama chaise mu ñëw na ma jogga ndaw dalé tok mom may seen jigeen très bien alors peut-être dernière question bi mom moy jigeen ñi nga xamantene aujourd'hui de plus en plus ñu leen gis ci secteur bi naka nga gisé seen liguey ci walu wo ak bo ban conseil nga leen di jox waaw ñi ngi gor gor lu ñi ngi gor gor lu bu baaxa 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 ba mais assetu damay wax ni yow mën nga oyof ci sa digënté sa ni nga bokkal di liguey té du tax nga ñek fayda tout à fait parce que nak ak lu mu mën ci doon rek ni ay goor lañu liguey mom mo leen indi ñun aussi liguey mom mo ñu indi deug la dinañu kaf dinañu ré mais du té nga am nak sa personnalité am sa dignité deug la mu nek lu rafet ma bay la nga tagato assetu contane ma chérie contane na trop Ousmane contane na ma ngi len di gërëm di len sante mais nak Ousmane ñaanal sama yaay mu yag lool te mu dinda ak ñoom ziarat mu bëre bëre di ñaanal tamit nak suñu xalitu xol bob non muy Moussa Fall di responsable politique da nek fofu non ci grand yoff mom ak Abdoulaye Diaye Moussa Fall non Ousmane koku dafa bokku ci ñun waaw waaw très bien en tout cas merci content na ñun tamit Fatim Dabakh Diop di reporter ci walu lomb nek jigen bu ñëk reporter lu jëm ci walu lomb dañ koy dal di libérer bay ko mu dem parce que bit depuis sank mom aussi mo ngi fi oyof lol comme niko grand Ousmane waxe ñu diko jajeufal bu baakha baax ci disponibilité bi dañuy daldi accueillir rek ki nga xamanteni mom moy invité papa di dans focus hip hop Dissir Gamel mom la donc ñu nara waxtaan ci walu force faiblesse ak perspective du rap galsen papa bay la nga introduire le temps que c'est invité donc focus problème comme tous les mercredis xamna fi ci 12-14 donc tay ñu wara waxtane force faiblesse ak perspective yi nga xamanteni hip hop gal sen bi bu ngui koy def parce que bo xolé néna les années 88 donc la fi hip hop bi ñew ba légui donc pionniers yi ñuko tambali am ñu liggéey bo xamné def nañ ko ci ba tay ji hip hop bi dañu fogon ni ben phénomène la bu doon jall mais liguey nañ ci liguey bo xamanteni accepté nañ ko ci kër yi ba xalé yi ñu ci bëri mag nek ci hip hop bi ba tay hip hop bi bok ci lu xamanteni lu ci bëri ci réew mi dang ci gis hip hop bi d'accord donc voilà tay ci loolu lañ wara waxtane ci force yi nga xamne def nako faiblesse yi ak perspective yi nga xamne am nako waxale aussi ci problème industrie bi nga xamne am nañ ko parce que ba légui ñu ngi joy affaire de industrie musique parce que tay bu Nigeria yi créé ñu dem topando len lolou force la wala faiblesse la souvent étranger di ñu ñëw fi di fessel sali té ñun est ce que ba légui am nañ pour dem ci yenen dëkk yi pour remplir sali lolou aussi tamit il faut ñu dal ci addu dal ci waxtaan bu baaxa baax ci walu hip hop galsen terme bu wone hip hop galsen rap galsen allo ñu nuyu ko sir ñu ngi lay nuyu waaw ma ngi lay fay effectivement donc sœur légui tay ñu bëgg waxtaan ci les forces faiblesses ak perspectives yi nga xamanteni rap galsen di def nako waaw je pense que pour étudier force ak faiblesse rap sénégal dafa am yaakaar na dafa am ñaari méthode yo xamne mën nañ ko jël quoi il faut d'abord ni considérer rap bi comme microcosme bo xamanteni dafa am une organisation interne après nga considérer rap bi
relation bu am ak macrocosme bi nga xamanteni moy société sénégalaise ak étranger. Donc je pense que so xolé force yi ak faiblesse yi non ci ni meuna gissé lan moy force ak force ak faiblesse rabbi ci mbir ci évolution am également ban rapport la rabbi am ak la société sénégalaise ban rapport la rabbi am ak aduna. Je pense que comme nima ko don waxé sank première force bi rap sénégal am jamono ji moy rap sénégal jamono yi amna déjà une assise historique amna histoire amna histoire histoire bo xamanteni un background historique de près de 30 ans. Donc xawna djégué touti sax rap français ipé ki âge bi mu am. Donc ci histoire bobu ñu am amna ay djégué yu bari ñu ci tek mais amna également ay erreur yu bari ñu def. Te légui histoire bobu mën nañ ci xol geustu ci xol yeen erreur yi ñi def mëna rectifier pour rabbi gëna dem kanam. Te pendant ces 30 ans rappeur yi expérimenté nañ yoon yu bari expérimenté nañ style yu bari expérimenté nañ genre yu bari lolu mën leen permettre aujourd'hui ñu apprendre de leurs erreurs. Banen bi mo mëna jappé force la également ci rap sénégal moy rap sénégal dafa nek rap bo xamanteni dafa yaga wone ouverture ouverture aux influences venant des grands pays du hip hop comme États-Unis comme France ak yenen dekk yu melni Nigeria so xol légui rappeur yi dañoy yag djel li MSR don wax il nous faut être pour à tous les souffres les rappeurs sénégalais ont toujours été pour à tous les souffres à tous les souffres manam ñom lepp lu ñew duma ne sax da leen yobale ndax lolu day xawa négatif un peu mais lepp lu ñew en tout cas ñom nañ ci profiter pour mëna enrichir li ñi def so xolé rap sénégalais dafa nek un lieu d'hétérolinguisme moy jaxaso ci mbirum lak te lolu yaakar na rap français am ko rap anglais américain am ko rap sénégalais moko am ci rap sénégalais rek peut-être ngay dégg ci ben texte nit ki wax ci français wax ci anglais wax ci olof te lolu yeb je pense lolu yeb richesse la mais malgré cette ouverture des rappeurs sénégalais lolu téréwul né rappeurs yi ba légui dañoo enraciné wu dans une tradition typiquement sénégalaise tax soy dégg lo rap sénégal dang ciy gis affaire yo xamanteni ñu génné ci folklore sénégalais mbirum oralité ak yenen bi dinc gis également thème yo xamanteni dafa nek en rapport ak société sénégalaise même su fekke ak légui ak dernière génération bi morceau thématique yoy ñu ngi disparaître un peu mais dañuy gis thème yo xamanteni vraiment dañ koy traiter te parfois sax dafa lay jox côté yenn émission yi ñu def radio yi télé yi ci suba di wax affaire yi xew ci kër yi yoy thème yoy dañ koy gis ci rap bi te je pense que lolu bok na ci li tax rap sénégal dem ba am une identité propre. OK légui 30 ans déjà ba légui ñu ngi wax problème industrie parce que ba légui bo xolé dañuy xaar américain yu def ben affaire ñu copier ko ñepp diko def mu baye loolu def leneen ñepp copier ko diko def mais est-ce que loolu aussi tamit lu faiblesse ci hip-hop bi wa faiblesse la ndax industrialisation bobu ñuy wax ba légui gëm ne rap sénégal légui nek na industrie da loolu du ci rap sénégal ak musique sénégalaise mo am problème bobu mais dama gis ne légui ñu ngi nek ci période bo xamanteni sur le plan structurel le rap sénégalais est devenu beaucoup plus organisé beaucoup plus professionnel ñun ci jangati ñi def chercheurs yi nga xamanteni ñu ngi gëttu ci culture urbaine depuis 2006 ak album Cannabis bi ñu wax Dike Saus dañu japp ne rap sénégal mu ngi dugg ci benen phase buñ tuddé la période de professionnalisation et du tout commercial rappeur yi gëm nañ professionnel mais rap également gëm na commercial légui rap sénégal rappeur sénégalais bi de la conception de son album à la réception par le public, il peut ne pas sortir de l'univers du hip-hop. Su gesso son texan ba paré day dem enregistrer ko ci studio bo xamné ap rappeur mo fa nek beat bi muy moy instrumental bi muy rap ci kaw ap ko nek kenn ku nek ci mouvement hip-hop moko défar parfois clip bi muy def ku nek ci mouvement hip-hop moko défar parfois émission wala sax ay radio yo xamanteni ay rappeur ñoko gérer donc lolu amul won peut-être il y a 20 ou il y a 25 ans bo rap sénégal xawna ci am une autonomie une professionnalisation waye tollu guñu industrie bi nga xamanteni amna États-Unis wala France wala sax Nigeria bi nga xamanteni rawna bañu koy imiter lu bari te damay wax ne li nga xamanteni lañuy gëna reprocher rap sénégalais wax nga ko tuti muy mimétisme bi d'ailleurs amna ñun dans déjà une phase qu'on a appelé la phase du rap mimétique moy phase bi nga moy ce que j'appelle le mimétisme historique da rap sénégal bi commencé dans les années 88-89 les premiers rappeurs dañ doon imiter rappeurs américains so xol sen texte yu bari c'était en anglais après quelques années plus tard la gars a commencé di rap en wolof donc mimétisme bobu dafa ñëwaat mais d'une manière très négative parce que tout simplement
da ngay gis né légui ñu bari dañuy xaar ben américain wala ben français wala ben nigérien gëné ben son copier ko so xasse ba def nak mu dox benen vague bi da ci top top parti quoi. OK, té lool dama gis né day ray créativité artiste artiste dafa wara original empêcher remix téré wuñ ko kenn mais c'est opé rek wax opé tamit day ki c'est vrai. Légui last question bi moy rappeur ñi ngi rap album yaay gën mais té bari wul wala amul sax ay artiste yo xamanteni am nañ ay label ñu leen di tourner international lool aussi lan moy problème bi waaw lolu deug la puisque xam nga rap sénégal dañu am ben problème bo xamanteni depuis le début dañu poser wu ben question manam lan lañuy def pour exporter rap sénégal ñu bari proposer des solutions yu bari ñen ñi ne pour exporter rap sénégal dañuy dem suñu culture fanen mais am nga culture rap public rap ak public peut-être yeneen musique bokul public rap déjà si aduna bi rap yi nga xamanteni ñoo gëna percé moy rap yi nga xamni ils se font en anglais ak yi nga xamni peut-être ñu ngi laq français puisque su fay da ngay laq anglais ci ngay amé accès à un plus large public. Donc est-ce que rappeur sénégalais bu mom su bëggé exporter musique bi day dem bonne culture sénégalaise avec la langue sénégalaise lolu peut avoir benen problème mais est-ce que mën nañ exprimer la culture sénégalaise dans une autre langue. Okay. Est-ce que man sama demay di rap en anglais wala rap en français mën na exprimer la culture sénégalaise. Je pense que problème bo ba légui dafa am wax na rappeur yi ba légui ils ont du mal à trouver leur place sur le plan international. OK, OK. Parfois ça ils sont obligés un peu de s'associer à d'autres artistes pour mëna am ben mëna am ben audience avec ben ouverture. Okay. Mais c'est un défi bo xamné rappeur yi war nañ ko mëna relever. Youssou Ndour réussir na à asseoir un peu sa suprématie en exportant le mbalax sénégalais. Wolof donc rappeur également war nañu mëna bay seen war ci côté bobu. OK, donc rap mbalax mo intéressé na ma lool de plus en plus ñu koy wax waaw en tout cas rap wolof et pourtant début bi dañ ko bañoon mbalax bi rap mbalax bi critiqué Fata mi nga xam man bok si ma fatlik Fata mo ko ñëk def peut-être que nak ñeen ko la mbolo on le critiqué amèrement Fata et pourtant aujourd'hui gars ko def bu baax légui autant dañ ko don sample mais légui da ngay wo teug kat mu ñeu dugg ici jo mbalax ba mu saf ba mu saf gaay da ngay def problème bi moy ñun ay sénégalais dama wax moy sunu sokul waaw tousan di tousan bi lañuy jaay nañ jaay tousan bi effectivement peut-être mo addu ci avant ñu kay di c'est la dem ñen ñi liñ koy blamé moy peut-être ñen ñu koy défé mo baaxul parce que hip hop tamit dafa am norme am norme tay di ni ñi teggé mbalax ak rap bokul lay tay di bo jëlé mbalax nga dugg ko rap lolu day jaxaso tay xawa jafé d'accord waaw légui do je pense que les gënna dugg ci merci en tout cas à l'époque lu bess la won même chaque fois sénégal so gissé lu bess muy terre bé muy autour ap lu bess nit ñi wul dina nañ critiquer au début mais né bo dugg ci merci rek nit ñi nañ ko accepter ndank quoi blague mo lo bim koy def avait un peu bouleversé les habitudes. Donc motax gaay kasson mais je pense que légui dugou na ci habitude et puis so demé da nga xamanteni mën nga ko def tout en gardant l'ossature du rap. Donc je pense que lolu am na dara lu muy yak. Merci beaucoup am amana lu mu bëggoon lu ndaw rek ndax rek fi mën na né so suñu kër la ndax xamna jamono yoy peut-être ñu ci bari fekk ñam na jamono ñu ratu kan radio bu ya ñu daan nañ fi ñew suñu groupe rap yi bokk nañ ñoo xamanteni vraiment radio bi jokk na ci ñeuk jox chance ay DJ Fox ak ñom docteur Makar yoyu daan nañ jaar lu bari ci émission bi di tax suñu musique ñu nek ni musique ba genn ci yalla def ñu jangale également bay jangale université également war nañu mëna sante groupe excaf def ñu lay jaajeful bu baax merci à toi aussi ci simplicité bi aussi bi ko defé bi ko waxé aussi merci papa. Alors suñu invité aussi artiste di Shadia di way kat ku ne xam nako dañu dal di sétane une vidéo le temps de la cure sur ce plateau.